mort du président Marien Ngouabi remonte au 12 décembre 1975. C'est à cette date-là que le président Marien Ngouabi a signé son arrêt de mort. En effet, tous les membres du comité central qui sont ici dans cette salle ont tous craint pour leur poste. Et le président Marien Ngouabi avait donc décidé de convoquer un congrès extraordinaire. Ce congrès devait totalement radicaliser, balayer tous ceux qui se sont reconstitués le 5 février 1979. En effet, si vous regardez attentivement ce qui s'est passé le 5 février 1979, c'est ce que le président, dans une lettre qu'on m'a volée, a appelé un ramassis de camarades et de traîtres.